Circuleg donne une seconde vie aux coquilles d'œufs issues de l'industrie agroalimentaire pour en faire de nouveaux ingrédients à haute valeur ajoutée. Toutes les valeurs défendues par le concours, que ce soit la valorisation des coproduits locaux, la volonté de valoriser des produits du terroir, leur donner une seconde valeur, en fait, on s'est totalement retrouvé dans les valeurs du concours, et pour nous c'est très important cet aspect-là. Ensuite, au-delà de l'aspect financier, qui est quand même aussi important à mentionner, ce qui va nous permettre notamment de participer également à un salon. On a un salon très prochainement à l'international, donc ça va nous permettre d'avoir notre propre stand, d'augmenter notre visibilité, et ça c'est hyper important. Et puis le dernier point, c'est aussi rencontrer les élus, les représentants de l'agglomération de la ville de Cergy, parce qu'on a pour volonté d'ouvrir une usine de production à Cergy dédiée uniquement à la production de matériaux biosourcés. En fait, on se questionnait avec mes associés autour du gaspillage agroalimentaire. Et donc, de fil en aiguille, on s'est demandé, la France est le premier producteur de quoi à l'échelle agroalimentaire? Et en fait, c'est le premier producteur d'œufs d'Europe. Donc on s'est dit, ils doivent avoir des coproduits, des volumes importants. Et on a réussi à rentrer en contact avec un directeur de casserie qui nous a fait part de sa problématique, effectivement, par rapport à leur coquille d'œufs. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte du potentiel énorme qu'il y avait autour de ce coproduit, à tort considéré comme un déchet, alors même que c'est une pépite.